A group of suspects are brought to court in the Cameroonian capital, Yaoundé. Among the alleged criminals, some have been arrested and detained for homosexual acts. Over 100 alleged homosexuals are arrested in Cameroon every year. Most of them are swiftly released, but some are detained and brought back to court, where they face jail terms of up to 5 years. Some 15 alleged homosexuals are currently imprisoned in Yaoundé. Alison Com is their lawyer. Je suis venue voir mes clients à la prison centrale de Koundengui. C'est une visite que je leur rends deux fois par mois quand mes finances me le permettent. Mais ce que j'ai appris, c'est que, par exemple, avant-hier soir, on a violé le plus jeune qui a 20 ans, qui est donc considéré comme mineur, parce que ici la minorité c'est 21 ans. Qu'il aurait été violé par quelqu'un qui est dans la même cellule. On aurait pu porter plainte contre le violeur, mais s'il est déjà là pour 50 ans ou pour 20 ans, ça ne sert pratiquement à rien. Il vaut peut-être mieux demander qu'on lui change de cellule et qu'on le mette là où il peut être dans une relative sécurité. On est les avocats, mais on est aussi la famille, il faut les aimer, il faut les assister, il faut leur donner la force. Et là, souvent, on leur dit qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'effectivement, il arrive que nous puissions recevoir pour eux, ne serait-ce que de quoi leur payer des médicaments, parce que le sida se promène beaucoup à la prison. Cameroonian gays and lesbians are jailed together with all kinds of criminals and are often targets of abuse. When we secretly filmed them, these young men had already been jailed for 3 months. On nous avait pris pour l'homosexualité, pas en flagrant. Donc, j'ai la maison, là où j'habitais, mes amis venaient, quand j'ai laissé la gendarmerie, on est venu nous prendre à la maison, on nous a amené à l'hôpital. Ils ont trouvé que nous sommes les homosexuels. Comment ils ont trouvé? Ils nous avaient fait donc, les textes. Essayer avec nous, mettre les doigts. Pour constater que votre anus était dilaté. Oui, mais nous sommes les homos. C'est là alors qu'on nous avait envoyé ici en prison. Il y a plus de 5000 détenus ici. Il y a des criminels, des assassins, des sanguinaires, des gens qui n'ont pas de cœur. Certaines personnes qui considèrent cet environnement comme leur maison, tu vois. Certains ici ont déjà fait 15 ans de prison, qui n'ont plus jamais eu d'affaire d'amour avec les femmes. Et nous autres, nous sommes des victimes pour eux. Par moment, ils prennent des médicaments, ils mettent dans ta nourriture, tu t'endors, tu te sodomises, tu souffres, tu es malade, tu peux quitter ta maladie. In the last decade, Cameroon has plunged toward the bottom end of UNDP's Global Development Index. But homosexuality is the issue that opinion leaders are increasingly focusing on. In 2005, a leading newspaper published lists of well-known alleged homosexuals, and senior church leaders started accusing homosexuals of corrupting society. The judiciary followed suit. Every year, about a dozen alleged homosexuals are convicted and jailed. 99% of Cameroonians are against homosexuality. This is fact. This is not President Biya's problem, not at all. He's there to get the law properly implemented. And this is what he's doing. Si on devait considérer l'arsenal législatif existant, personne ne peut arrêter un homosexuel. Personne. Parce que les textes que nous avons sont suffisants pour empêcher leur arrestation et la violation de leurs droits. Pourquoi? Parce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est le préambule de la Constitution du Cameroun et qui proclame haut et fort que les valeurs numéro un, qui sont celles de la communauté internationale, c'est la liberté et l'égalité dans le traitement des êtres humains. Et dans la même constitution, à l'article 45, il est clairement dit que la loi internationale aura une primauté sur la loi nationale.
Ce qui fait que le Cameroun, ayant adopté les valeurs universelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple la protection du domicile, eh bien, il n'est pas concevable qu'on puisse ensuite prendre un texte national qui permet à n'importe qui d'entrer chez quelqu'un parce qu'il a appris que là vivaient des homosexuels et de le faire arrêter. Ça n'a pas de sens. Jamais ils ne respectent les délais de garde à vue puisqu'ils n'ont pas de preuves. Maintenant, il faut monter tout un dossier avec un minimum de preuves et ils font appel au médecin gendarme qui est là et puis qui rentre dans l'anus des jeunes pour pouvoir leur donner quelque chose à se mettre sous la dent. Or, ces analyses, ces examens à nous sont totalement illégaux. Ça, c'est un viol, ça. Puisque ce n'est pas un acte médical. Le médecin ne dit jamais qu'ils ont trouvé des traces de sperme, pas du tout. Généralement, ce qu'ils disent dans leur rapport d'expertise, c'est qu'il peut entrer un doigt ou deux. Selon qu'il peut entrer deux doigts ou trois, eh ben vous avez l'habitude de forcer la porte de votre anus, donc vous êtes homosexuel. C'est la folie. C'est la démence. Defending homosexuals has become a dangerous activity in Cameroon. Gay activists still mourn their colleague, Eric Lembembe, whose mutilated body was found in July 2013. This crime created anger and fear among gays and lesbians. But despite the growing danger, many are refusing to remain silent. J'ai jamais vu un tel déchaînement de haine. Un tel déchaînement de haine sur une seule personne. Vous ne pouvez pas briser le cou à quelqu'un, vous brisez son cou, vous cassez tous ses quatre membres. Parce que quand on portait son corps, tous les membres étaient flasques. Faire ça à un autre être humain juste parce qu'il est gay, juste parce que il a une sexualité différente de toi, c'est-à-dire c'est être un animal. En quoi est-ce que je gêne quelqu'un d'être gay? Moi, je ne vois pas. Je ne l'empêche pas d'avoir des enfants avec sa femme. Je ne l'empêche pas d'aller au paradis ou en enfer suivre ou au purgatoire. Je ne l'empêche pas. Je vis ma vie. Avoir peur de dire que oui, je suis gay, pourquoi vivre une vie où je vais toujours pour plaire aux autres? Je ne veux pas plaire aux autres. Quelqu'un comme moi, je suis un père de 8 enfants. Vous comprenez? J'ai appelé toute ma petite famille. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants. Oui, je me suis mis à la page. Ils sont plus des enfants. Leur ai dit, votre père aujourd'hui, si tu arrives quelque part, tu me trouves dans un état, faut pas t'inquiéter. Oui, porte tes pieds, rentre à la maison. Ton père, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Celui qui ne peut pas m'appeler, celui qui ne peut pas m'accepter, il me fout son camp. Oui. Mais pour moi, je dis, les choses doivent aller graduellement. Parce que le grand problème, c'est quoi? Je viens d'un pays, la RDC, où ces choses s'évivent, mais on n'en parle pas. Il n'y a pas une loi qui pénalise comme telle. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Mais ce n'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, on en parle tous les jours à la radio. Et ce n'est pas un jour que tu entends l'homosexualité à la radio. C'est un matraquage médiatique. Il y a une émission qui passe sur la chaîne de télé, la CRTV, où un journaliste dit carrément aux jeunes de ne pas baisser leur culotte, de ne pas vendre leur âme au diable parce que les homosexuels portent des couches, ce sont ils ont des couches, ils ont des anus percés, les mouches suivent leurs anus. Je dis sur une chaîne nationale. Donc vous êtes en train d'élever toute une nation d'homophobes. C'est un fait avéré que le gouvernement camerounais utilise l'homosexualité pour distraire la population. Sur les vraies revendications qui sont un problème d'emploi, un problème d'éducation, bien les problèmes, la liste, il y a tellement de problèmes pour qu'on s'attarde sur ce que des gens font dans leur chambre. Le domaine qui est un domaine privé et donc protégé par la loi. Homosexuality is illegal in about 2/3 of African countries, but the legislation varies from place to place. It is punished with up to 14 years detention in Nigeria.
In Cameroon, it attracts a shorter sentence, but it is the African country which has the largest number of alleged homosexuals behind bars, with 15 people detained in 2014. The only field where gay people are allowed to be openly active is in the fight against HIV/AIDS. Marc Lambert Lamba brings free medicine to gay people who live with HIV. Il faut un nouveau plaidoyer pour des questions LGBTI, en Afrique particulièrement, mais il faut le contextualiser. Parce que la situation de chaque pays est propre à lui. Au Cameroun, nous vivons une traque quotidienne. Alors qu'il y a des pays qui ont une loi, qui même jusqu'à la condamnation à mort, mais où ils n'ont pas de problème au quotidien. Bonjour. C'est vrai que mon état de maladie a empiré les choses. Parce que même quand je ne suis pas souvent malade, je suis souvent fatigué, mais pas comme là maintenant. Je suis arrivé ici il y a sensiblement deux mois, oui. À la suite d'un gros problème familial, d'ordre familial, qui était suite à mon orientation sexuelle. C'est avec beaucoup de chance que je suis sorti de là vivant. Parce que j'ai été tabassé. J'ai été tabassé, je suis sorti de là avec des hématomes et des blessures. Par vos propres frères, cousins ? Par mes propres frères, mes frères. Je ne m'attendais pas à ça parce que pour moi, c'est ma maman. Pour moi, c'est ma maman, elle m'a porté. Pour moi, la conception que j'avais d'elle dans ma tête et dans mon cœur, elle m'aimait plus que tout, pour moi. Donc je m'attendais à tout, sauf à ça. Je me disais même si elle apprenait, elle allait le garder pour elle. Elle allait faire de ça un secret familial peut-être, connaissant la situation que nous vivons dans le pays. Mais ça n'a pas été ça. Nous allons obtenir la légalisation par voie judiciaire, justement. Le choc de texte. Nous allons nous organiser pour que la Cour suprême nous dise quelle est la position réelle de l'article 347 bis. C'est pas un texte qui est ségrégationniste, c'est pas un texte qui rappelle l'apartheid contre une communauté, c'est pas un texte qui démontre la violation par le Cameroun de ses engagements internationaux et des droits de l'homme. Et d'ailleurs, le pape aujourd'hui, pour nous, c'est le parrain de mon association, parce que il a dit: qui suis-je pour juger, encore moins pour condamner. Donc pour nous, c'est le premier pas vers la dépénalisation. Gays and lesbians have started coming out in Cameroon, but it could be an uphill struggle to convince most people that tolerance would pose no threat to society at large.